L'agence Moody's vient de décerner à la ville de Paris la note maximale pour une grande ville, en soulignant la solidité de notre gestion financière. Cet avis vient après celui d'autres agences de notation, vient après l'avis du certificateur des comptes qui souligne la véracité de nos documents. Et pourtant, souvenez-vous, M. Attal nous avait traités d'escrocs. Mme Dati enchaîne polémique sur polémique en parlant d'insincérité de nos comptes. Et M. Beaune, lui, demandait notre mise sous tutelle. Toutes ces personnes doivent maintenant s'excuser auprès des Parisiennes et des Parisiens, car c'est bien l'honneur de Paris qui est mis en cause par leur déclaration. Le gouvernement doit cesser ce ciblage politique spécifique de la ville de Paris pour aller contre les intérêts de la ville et donc de ses habitants. On le sait, le gouvernement de Gabriel Attal et Rachida Dati est aux abois financièrement. Ils ne savent pas comment assumer leurs décisions budgétaires. Ils cherchent à faire des économies sur les plus fragiles, les chômeurs d'abord, mais aussi sur les collectivités territoriales. Venir ponctionner les villes, les départements, c'est fragiliser les services publics locaux, c'est fragiliser la solidarité, c'est fragiliser la capacité d'investir dans la transition écologique. Et ça remet en cause la cohésion de notre pays.